Alors, je reviens sur Ézéchiel 11. I'm coming back on Ézéchiel 11. N'est-ce pas, qui nous enseigne sur la marmite de la sorcellerie. Teaching us about the pot of witchcraft. Je vous ai dit pour ce texte, en ce qui concerne ce texte, que la marmite représente un autel. Alléluia. Et naturellement, vous ne pouvez pas détruire un autel. And obviously, you cannot destroy an altar. Sans activer un autre autel. Without activating another altar. Ézéchiel. The prophet Ezekiel était un homme autel. Was a man altar. C'est ce qui lui donnait la capacité de renverser un autel. This what allowed him to overthrow the altar. Parce que si ce n'était pas le cas, because otherwise, il aurait dû ériger. He could have erected un autel. An altar. Qui combattrait cet autel appelé marmite de sorcellerie. That would fight this altar called a pot. Et si vous me suivez très bien, if you follow me really well, je vous ai appris que l'œuvre de la sorcellerie est de faire en sorte que le soleil ne puisse pas se lever sur ceux qui étaient enfermés dans leur autel. I taught you that a strategy of the wind. Et donc, and then, vous voyez, ils empêchaient le lever du soleil. They prevent the sun to rise. Et les 25 hommes agents des ténèbres and the 25 men agent of the darkness avaient, n'est-ce pas, la faculté d'être aux portes de ceux qui étaient enfermés dans l'autel. Donc, ils contrôlaient en fait toute dimension en ce qui concerne la bénédiction dans la vie de ceux qui étaient enfermés dans cet autel. Had the capacity to be at the gate and thereby they control the life of those in the port. Nous sommes ici dans la commune de Cocody. We're here in Cocody. Si celui qui gouverne la commune de Cocody décide d'ériger des hôtels partout qui ne glorifient pas Dieu, to erect altar wherever that doesn't glorify God, qu'est-ce que ta relation avec Dieu et ton parler en langue peuvent faire à cette réalité? What kind of reaction will your speaking in tongue will have on it? Point numéro 2. Second thing. S'il y a des interdictions, if there are some bans qui sont établies established dans ta commune, in your area, est-ce que parce que tu es chrétien, tu échappes à ça? Are we... Celui qui gouverne un espace, celui qui gouverne un environnement, a un pouvoir sur tous ceux qui sont sous son autorité dans who, le dit environnement. The one who rule over an environment has a capacity to master them. Les 25 hommes, the 25 men, avaient la capacité de diriger, de gérer tout Jérusalem. Had the capacity to rule over all Jerusalem. Et donc, ils étaient les maîtres des lieux. They were the master of the places. Et tout ce qui se passait en termes de transactions spirituelles ne pouvait que passer par eux. And everything that was took place could pass by them. Donc, et c'était plus grave même, ils avaient même droit de vie et de mort. Parce que dans le pot, quand ils prenaient une personne et qu'ils la ramenaient à la bouche, mais cette personne mourait dans la ville et c'était un enfant de Dieu. Where they had a right of life and death, because when they take somebody in a pot, he will die, and though he is a child of God. C'est très grave. It's really serious. Quand tu as Hérode devant toi, s'il décide de t'emprisonner, de te tuer, mais si l'ange ne vient pas, tu meurs, même si tu t'appelles, je ne sais pas moi, Pierre. When you're facing Herod, if you don't have the help of an angel, you will die even if you are Peter. L'homme fort qui gère. The strong man ruling. Un espace. A space. Si tu es dans cet espace. If you are in that space. Tu lui es soumis. You are submitted to him. Tu peux dire non. You may say no. Mais c'est ce qui est. But this is what is. Realities. Et donc, pour aller plus loin. To go far. Les 25 hommes, the 25 men, avaient le mandat, had the mandate, d'empêcher le lever du soleil, to prevent the sun to rise, de maintenir le peuple dans les ténèbres, to maintain the people in the darkness. Troisièmement, parce qu'ils étaient aux portes, because they were at the gate, contrôlaient toutes les bénédictions. Ça veut dire qu'ils avaient la capacité de permuter les grâces, they had the capacity to shift the graces, ou alors de déplacer comme ils le voulaient. Or to move willingly, n'est-ce pas, tout ce que Dieu libérait en faveur de ceux qui étaient enfermés dans l'autel. All that God released in favor of those enclosed in the altar. Est-ce que vous me comprenez? Do you understand what I'm saying? Naturellement, lorsqu'on parle de forteresse, and when we talk about fortress, on parle d'homme fort. We also talk about a strong man. Il n'y a pas d'homme fort sans forteresse. No strong man without a fortress. Et la forteresse ici, and the fortress is here. Ou en Ézéchiel 11, la forteresse c'est la marmite. And in Ezekiel 11, the et fortress les hommes forts, ce sont les 25 hommes. And the strong men are the 25 men.